bien fait tous les joints et tout, il faut encore que je nettoie, mais maintenant je vais faire les joints au sol. Donc j'ai mélangé le produit qui est là et je vais m'atteler à essayer de faire les jointages là-bas. Alors, voyons voir ce que ça fait. Bon, on va savoir comment c'est pas cool. Est-ce que je voudrais bien? C'est en mettre là. Donc, ce que je voudrais, c'est que les joints là sur le côté, ils sont aussi sombres, puisque ça fait partie du sol. Mais pas sûr que j'y arrive super bien, vu qu'il y a déjà le joint blanc qui s'est un petit peu incrusté dans la chose. Donc on va voir. J'ai fini de faire les joints du carrelage, mais malheureusement mon doigt en a bien souffert, parce que quand quelqu'un fait le joint avec les doigts, comme moi, enfin certains joints, pas tous les joints, et ben voilà ce qui lui arrive, ça fait super mal. Donc maintenant qu'une bonne partie de la salle de bain est terminée, on va voir ce que ça donne, j'ai toujours mal au doigt. Je vais enlever le scotch et on va découvrir ensemble ce que ça va donner. J'espère que ça va pas être trop catastrophique. J'espère que tout va tenir comme il faut, on va voir. Il restera encore à finir les étagères, qui n'ont plus la même couleur qu'avant, parce que à chaque fois j'avais trop de matière, je les ai recouvertes avec le reste de matière que j'avais. Donc ils ont été recouvertes à peu près deux ou trois fois depuis. Depuis la dernière fois que je les ai montrées. Après, il faut encore que je ponce, etc., tout le plafond et que je fasse toute la peinture. Mais avant de faire la peinture, il faut encore que je recouvre les étagères de plâtre, pouvoir peindre sur quelque chose de lisse. Donc c'est pas encore terminé. Voilà les étagères que j'ai recouvertes avec plusieurs sortes de produits, mortier, colle, je sais pas quoi là. Et puis après j'ai mis le produit pour les joints noirs. Ce qui me restait, je l'ai mis sur les deux étagères. De toute façon, c'est pas grave, ça va être recouvert de plâtre et ça va être blanc. Là-haut, j'avais pas, il y en avait plus, donc voilà. Mais peu importe. On va enlever le scotch, on va commencer par là par exemple, n'est-ce pas? On va voir ce que ça va donner. Ah oui, c'est quand même crade en dessous. Hein. Ok, et puis, il va falloir essayer de gratter tout le crade, j'espère que ça va partir. Là. On va voir ce que ça va donner ici, pareil. Les joints jusque dans les moindres recoins. Donc je vais tout enlever, là, partout. Et puis on va voir ce que ça donne. Oh, donc voilà, c'est plutôt, je sais pas, je vais encore dire commencer. Parce que vu que le carrelage était déjà sale avant que je commence à faire les joints, il n'y a pas de miracle, hein, il n'est pas plus propre maintenant. Il va falloir que je vois comment je vais pouvoir nettoyer tout ça. Pas la moindre idée, parce que c'est carrément, il faudrait les décaper tellement ils sont sales. Donc je ne sais pas du tout, il va falloir que je me penche sur la question. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il y a des petits soucis genre ici, là où je pense qu'il va falloir que je rajoute du joint parce qu'on voit clairement que c'est vide, et là aussi. Mais sinon dans l'ensemble, je pense que les joints ça va quoi. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. C'est plutôt pas mal en termes de joint, je parle, hein, pas en termes de propreté, parce qu'on n'y est pas encore là. Hein. Enfin voilà, voilà à quoi ça ressemble le tout.